Seigneur Dieu, nous voici devant nous-mêmes, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos défauts. Béni, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis à l'endroit où 8 aviateurs américains, John Gembrowski, Orion Owens, Charles Nichols, George Ike, Billy Eich, Robert Benninger, John Pindrock et Vincent Rees furent abattus vers 14h30 le 22 avril 1944 par les feldgendarmes allemands et des membres de la garde wallonne après avoir été interrogés à l'école communale de Chimay. Ladies and gentlemen, we are together at the exact place where 8 US airmen, John Gembrowski, Orion Owens, Charles Nichols, George Ike, Billy Eich, Robert Benninger, John Pindrock and Vincent Rees were killed on April 22, 1944, at around 2:30 by German Feldgendarmen and members of the Walloon Guard after being questioned at Chimay School. Deux aviateurs portaient encore leurs uniformes de lieutenant. Leurs corps ont été retrouvés après la libération, inhumés au cimetière de la Serna à Jumet. Ils seront ensuite transférés au cimetière américain de Margraten aux Pays-Bas, près de Maastricht. Two airmen were still wearing their uniforms as lieutenants. Their bodies were found after the liberation and were buried in La Serna Cemetery in Jumet. The bodies were then taken to the American Cemetery of Margraten in the Netherlands near Maastricht. Aujourd'hui, une stèle est érigée à l'endroit même où ils perdirent la vie pour défendre notre liberté et nos valeurs démocratiques. Il s'agit d'un essentiel devoir de mémoire. Nous avons l'honneur d'inaugurer ce monument afin de favoriser la transmission d'événements historiques qui interpellent la conscience collective, en particulier ces crimes perpétrés il y a plus de 75 années, mais aussi tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés en ces moments même sur le territoire ukrainien, mais aussi yéménite, érythréen, syrien et dans de nombreux autres pays où la paix est mise à mal et les droits les plus fondamentaux bafoués. Today, a memorial is erected exactly where they lost their life to protect our freedom and democratic values. It is a necessary duty to remember. We have the honor to unveil this memorial to remind about historical events which shocked the collective consciousness. In particular, these crimes which took place more than 75 years ago, but also every war crime or crime against humanity, which take place now in Ukraine, Yemen, Eritrea, Syria, and in many other countries where peace is in danger and fundamental rights scorned. Je voudrais citer un passage d'un article du quotidien Le Rappel, publié en novembre 47, sur la tragédie de Saint-Rémy. Aujourd'hui, en 1947, à l'endroit où s'est déroulé ce drame affreux, on n'a même pas érigé un petit monument pour rappeler ce crime aux générations futures. C'est la raison pour laquelle, 75 ans après cet appel, nous avons souhaité, avec l'aide notamment des agents de la DNF, pallier ce manque en inaugurant ce jour, en votre compagnie, la stèle du chemin de mémoire. I would like to quote an article from the Rappel newspaper in November 1947 relating to the Saint-Rémy tragedy. Today, in 1947, at the place where this terrible crime took place, even a small memorial hasn't been erected to remind about this crime to future generations. This is the reason why, more than 75 years after this call, with the help of park rangers, we wanted to fulfill this gap, unveiling today with you the memorial of the Way of Remembrance.
Passants, n'oubliez jamais, ils ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour sauvegarder notre liberté. Après la bénédiction de la stèle, la minute de silence et les hymnes nationaux, vous êtes invités, pour celles et ceux qui le souhaitent, à parcourir le chemin de mémoire afin de découvrir l'endroit précis où ces hommes se réfugièrent dans une hutte en attente d'être évacués à travers la France et l'Espagne pour rejoindre Gibraltar. Nous nous rejoindrons ensuite afin de prendre le verre de l'amitié à l'hôtel de ville. Passerby, let me never forget. They sacrificed their youth and their life to safeguard our freedom. After blessing the memorial, minutes of silence and national anthems, you are invited, for those who are interested, to walk the way of remembrance, to see the exact place where these airmen stayed in the hut, waiting for their escape to France, Spain, and then to go to Gibraltar. We finally will go together to Town Hall for a reception. Thank you. La gerbe de l'administration communale de Chimay, déposée par M. Éric Guillard, représentant M. le bourgmestre de Lidenvoy, accompagné des membres du collège, du conseil communal et du CPAS de Chimay. Minute de silence à la mémoire des aviateurs américains fusillés le 22 avril 1944. De Last Post. Les porte-drapeaux, les honneurs. Thank you.
parler normalement. Mais... Je rappelle pour les personnes qui veulent se rendre à la hutte, vous suivez le monsieur Éric Biard, les vins des affaires patriotiques. Je vous remercie.